Salut, salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui en bonus pour un haul Action. Donc il me fallait quelques petites choses pour mes bricolages et d'autres petites choses pour pas les bricolages, mais c'est beaucoup pour le bricolage il me semble. Et de la bouffe. Comme d'hab. Donc j'ai pas mal de choses. On en avait pour 80 balles encore une fois pour en entier. Et oui, je vous filme avec cette tête-là. Hein. Voilà. Tout simplement. Je suis en pyjama. Bref. Donc chérie avait acheté un gros bidon de lave-glace pour la voiture. Mais ça, je voulais pas monter. Bah, de toute façon, il est toujours dans la voiture. Je sais pas le prix, il me semble que c'était 5 litres, possible. 5 ou 10 litres, je ne sais plus. Bref. Donc je prends comme ça vient parce que c'est le foutoir, tout simplement. Alors, chéri a repris ses fameuses banana chips qu'il partage avec les chichous. Voilà, tout simplement. Il a pris aussi un mélange de toutes les noix, mais il l'a déjà mangé avec les chichous. J'ai pris une carte d'anniversaire quand même pour Amy, même si elle a déjà reçu son cadeau. Mais voilà, j'avais quand même envie de lui mettre un petit mot, donc... Je l'ai trouvé très joli avec la petite licorne et les petits sequins comme ça à l'intérieur. C'est joli. Je me suis repris un paquet de Cheetos. Big Cheetos. Beefy Roll. Tout ça, j'ai pris en double parce que j'ai pris pour Georges aussi, mais lui, il les a déjà pris et très certainement mangé. Et j'ai pris les. Super chips deep American barbecue, elles sont super bonnes. Voilà, et bien croustillantes, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pris un paquet de lingettes bébé puisque c'est la base pour moi. Hein. Vous le savez, j'utilise pour mes swatchs, pour quand les titis me font pipi dessus, ou ben, quand je fais du bricolage et que j'ai un peu trop de peinture sur les mains avec un chiffon sec, des fois ça part pas toujours. Donc, je prends une lingette, même pour nettoyer mon plan de travail. On a pris les WC Cleaning Tabs with Citrus, 3 en 1. Ça rafraîchit, ça nettoie et ça détartre, je pense, des scrolling. Voilà, on va tester ça. En fait, je cherche les blocs bleus, là, vous savez, que vous mettez directement dans la chasse d'eau et j'en trouve plus. Impossible de retrouver. J'ai repris un truc de film alimentaire. Parce qu'on n'en avait plus, tout simplement. Voilà. D'ailleurs, Alu, elle n'a pas non plus. J'ai pris un lot de 2 boîtes comme ça. Donc, voilà, c'est tout ce qui est de plus basique. Elles n'étaient pas bien chères. C'est des 1,25 litre. 12 secs. Ah non, c'est 2 boîtes. Et pour ranger mon argile. Voilà, et puis bon, la boîte, l'autre boîte me servira à ranger d'autres choses, mais principalement pour mettre mon argile dedans pour pas qu'elle sèche. Parce que dans la petite boîte que je les mets, elle est pas assez hermétique, je pense, donc elle sèche un petit peu. Pas trop trop, mais elle sèche un petit peu. J'ai repris de l'huile de saumon pour les chiens tant qu'il y en avait. Donc là, j'en ai pris 2. Hein. Je vous montre tout qu'un exemplaire, mais il y a des trucs où j'en ai pris 2 parce qu'il n'y en a pas tout le temps. Et j'en mets régulièrement, bah, tous les jours, un petit peu dans la gamelle de la petite dans son riz. Et le gros termine, donc ça leur fait un apport en huile de saumon quasi journalier. Des fois, je remets pas, mais allez, on va dire un jour sur 2 ou sur 3, je leur remets. Et le gros se gratte beaucoup moins avec ça. Alors, oh bah, il y a encore d'abord. Chérie a pris les coconut rings, ces petits gâteaux à la coco. Ces super bonbons Red Band, là, qui... Il les a fait tout le temps et j'ai encore vu quelque chose. Ah oui. Ah bah ben, encore ça. Oui. Il s'est repris des trickers là, crème et oignon. Moi j'en ai pas pris parce que je sature un peu. Et pour finir, il s'est pris un paquet de gaufrettes comme ça. Et voilà. Normalement, en bouffe, c'est tout. Normalement, je dis bien normalement. Ces fameux cafés. J'ai déjà plus de place sur le bureau. Alors, j'ai
Enfin, on a repris des sacs de congélation comme ça. Donc là, il a pris des 3 litres, alors que d'habitude, il prend 1 litre et demi pour mettre la poulette du gros, pour mettre au congèle cuisse par cuisse, pour pas devoir tout décongeler. J'ai pris de la colle universelle pour recoller mon argile quand il y a quelque chose qui casse ou que ça ne tient pas assez bien. Donc voilà, parce que ça arrive. On a repris de l'eau de 5 gobelets en plastique, comme ça. Voilà, nous on aime beaucoup boire dans les verres en plastique. Il y en a 5 à chaque fois. Il a pris des verres un peu olive, comme ça, et les bleus pastels. Celui qui a pris, ça fait 10 verres. J'ai pris un cache-pot comme ça, donc c'est 100% en plastique recyclé. Et voilà, je l'ai pris en coquille, il y avait aussi en une espèce d'orange terre cuite là, pour faire le pot pour Maryse, pour lui envoyer, parce que je vais le décorer. Il n'y avait pas plus petit, mais je pense que c'est une bonne taille, parce que comme elle a beaucoup d'orchidées, même si le pot est plus petit, l'orchidée dépassera, donc voilà. Et comme ça, je vais pouvoir commencer son petit bricolage à elle. Enfin, j'en ai d'autres de prévu, mais... J'ai trouvé enfin l'argile. Donc, c'est Modeling Clay Stone Look. Je ne sais pas si j'en ai pris 3, mais je n'ai pas fait attention. Stone Look. Donc, c'est toutes les mêmes. Voilà, j'en ai pris 3, hein. De toute façon c'est le même prix à peu près que celle d'Amazon, parce que je voulais tester et c'est pas perdu avec la consommation d'argile que j'ai en ce moment, donc voilà, je vais pouvoir tester ça. Donc c'est marqué pâte à modeler, hein, mais c'est de l'argile qui sèche à l'air. J'ai pris en bombe, hein. C'est beaucoup plus facile, du vernis. Du vernis pour mettre par-dessus mes bricolages. D'ailleurs, j'ai mis mon petit dragon là. Voilà. Donc, il est transparent. J'ai pris en gloss. Il existe en mat aussi. Je l'ai pris en glossy parce que c'est beaucoup plus beau et c'est beaucoup plus simple après pour préserver de la poussière, que les peintures et tout ça ne s'atténuent pas et compagnie. Donc, voilà, il m'en fallait. J'ai trouvé. Ça, alors il y a juste celle-ci qui m'intéresse, hein, pour sculpter un peu, mais voilà, ce ne sera pas perdu, je pense, hein, même pour faire le plâtre et tout ça. Il y en a combien dedans? 5. Alors c'est des couteaux à palette, hein, normalement c'est pour ceux qui peignent avec de l'acrylique épaisse sur tableau. Voilà, moi je voulais juste celle-là pour sculpter et tout ça, l'argile, mais les autres, ouais, je vous dis, comme quand je vais faire des trucs en plâtre et tout ça va quand même être utile, donc je suis bien content de les avoir trouvés. On a repris un bidon de déboucheur pour les canalisations. Il est génial ce déboucheur. Voilà, je vous le dis à chaque fois que je le présente, mais c'est le meilleur déboucheur qu'on ait pu trouver sur le marché et il n'est pas bien cher. Très efficace. Ah oui, chérie a pris ça aussi pour voir si les chichous, ils aiment bien. C'est des baies de goji séchées. Donc on verra bien. Hein. C'est sans matière ajoutée. Hein. Il n'y a pas de. Comment? Il n'y a pas de sel ou de sucre ou quoi ajouter, hein, c'est juste des baies séchées. Puisque les chichous ne peuvent manger que séchées. J'ai pris 2 petites voitures comme ça pour le petit, pour quand il vient à la maison. Voilà, elles sont réversibles. Hein, c'est des à friction, donc vous les faites aller en arrière et elles roulent. Voilà, je me suis dit, il n'a pas beaucoup de jouets pour quand il vient à la maison, donc c'était pas bien cher. Et hop, on lui en prend 2 comme ça. Il a de quoi jouer quand ils viennent à la maison. J'ai pris pour tester quand même l'acrylique varnish. Donc pareil, hein, mais en liquide. Vraiment pour la peinture acrylique. C'est un format 80 ml. Donc ça fait hyper petit. Je ne sais pas s'il en faut beaucoup ou pas. Après, ça dépend de la taille de votre bricolage ou de votre peinture. Mais je vais tester la comparaison des deux. Là, j'ai été voir sur Amazon, celle d'Action, même que c'est en petit format, revient moins cher que la Mona Lisa, par exemple. Donc voilà, je vais tester et je verrai ce que ça donne. Et je verrai après si je reste sur les bombes ou sur le liquide.
J'ai également pris un spray de glu. Voilà, donc ça c'est pratique. Par exemple, le pot qu'on est en train de faire en DIY, j'aurais pu le vaporiser d'abord avec de la colle pour être sûr que le plâtre tienne bien aux parois. Donc voilà, et puis vous pouvez coller papier, tissu et tout ça. Donc voilà, c'est pas perdu quand on bricole beaucoup. Et j'ai vraiment plus de place. Je me suis repris deux curls comme ça, les sprays toniques que j'utilise. D'ailleurs, il a coulé. Je sens, c'est liquide. Voilà, pour mes cheveux. Voilà. Vous savez que je l'adore. J'en ai toujours en stock. Et quand il y en a, j'en reprends toujours deux pour. Oh, ça sent tellement bon en plus. Pour être sûr, voilà. Moi, j'utilise. Il faut que j'arrête de dire voilà sur 50 fois sur la même phrase. Je suis fatiguée. Il est tôt. Donc, j'en mets après le shampoing pour démêler parce que ça a un effet aussi démêlant. Avant l'huile, et j'en remets un petit peu tous les jours avant de me coiffer. Voilà. Encore un voilà. Et pour finir, j'ai pris ceci. Alors, c'est un set de pinceaux de maquillage. On est d'accord. Hein, c'est un 6. Je n'ai pas regardé au modèle. Enfin, j'ai regardé juste aux plumettes. Hein, le reste, je ne l'ai pas pris pour moi. Hein, parce que. Enfin, si, j'ai pris pour moi, mais pas pour le make-up, puisque j'ai d'autres pinceaux beaucoup de meilleure qualité. Je l'ai pris pour la peinture. Parce que je trouve qu'on peint mieux avec des pinceaux make-up qu'avec des pinceaux de peinture qui sont trop riches, surtout ceux de chez Action. Donc j'ai pris ça pour peindre. Voilà. Parce qu'il me fallait des plus gros pinceaux et un langue de chat comme ça plat. C'est vraiment pratique. Franchement, je préfère peindre avec des pinceaux de maquillage qu'avec des pinceaux de peinture. Et il y a le support ici, bon, qui ne me servira pas à moi vraiment, mais. Voilà, au pire, ça peut me faire un bricolage à faire, quoi. Et voilà, c'était le dernier truc. Donc maintenant, je vais pouvoir aller tout ranger. On est content. Donc, j'espère que ce petit haul vous aura plu. Enfin, c'est un gros haul, mais... enfin, voilà, quoi. Vous m'avez compris. Hein. Mais je suis vraiment fatiguée. Hein. Je suis désolée, mais on est rentré très tard hier. Je me suis levée très tôt ce matin. Là, il est que 7h30. Voilà. Vous avez le haul ce soir, donc il faut que maintenant que je fasse le montage. D'ailleurs, j'ai pris la dose de café avec. Et voilà. Ben ouais, j'ai rien d'autre à vous dire. Alors la semaine prochaine, je vous en parle un petit peu dans le vlog, mais je vous confirme que ça sera deux DIY. Le Disney Challenge, j'ai dû demander à Manon de le décaler d'une semaine. Et l'Alphabet Challenge, je le décale d'une semaine aussi parce que... Bon, je sais pas si vous voyez, mais je suis malade. Donc, j'ai les ganglions et je pense que c'est un abcès dentaire que je suis en train de me choper. J'ai hyper mal, je suis toute gonflée et j'ai mal la bouche. Et je tousse beaucoup parce que j'ai attrapé froid samedi au mariage, le nez qui coule et tout. Donc, faire des make-up comme ça, c'est juste pas possible. Donc, du coup, je ferai des DIY. Vous aurez lundi un DIY. Mardi, live DIY, on terminera. J'espère que ça ira mieux. Mercredi, nail art et vendredi, de nouveau un DIY et dimanche le vlog. Hein. Voilà. Vous inquiétez pas, même s'il y a plus de DIY qui vont sortir ces prochains temps, il n'y aura pas moins de vlog. Hein. Ce sera toujours le dimanche, le vlog, ça reste. Et voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas fait. Le pouce en l'air pour me supporter malade et fatigué. Voilà. Hein. C'est sympa, ça se ressent pas, tout simplement. Hein. Dites-moi s'il y a des produits qui vous intéressent ou que vous avez déjà testé, vous, si vous en êtes content. Ceux qui bricolent un peu, dites-moi si les vernis vous préférez en liquide ou en bombe. Et voilà. Donc, de toute façon, on se retrouve demain avec le vlog. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.